c'est bien. Pardon ? Ça m'a trop galéré avec ça. Je vais te dire encore, j'étais à 3h30 au 30e. Ah merde, mais tu étais avec moi alors ? Ouais. Quand j'ai vu ça, j'étais fou. J'étais meneur d'allure sur le 30e. J'étais fou. Non, non, mais après j'ai arrêté. T'as là, après ? Non, je suis en entraînement, j'ai un ultra dans 15 jours. J'ai 105 km dans 15 jours dans la Côte d'Azur, le trail des Balcons d'Azur. C'est bien. Par contre, je me suis super bien amusé. On est le roi comme ça. Et le roi, les gens adorent. Et... Je te dis pas le nombre de photos, j'ai dû passer une centaine de photos. T'as pris la pose, tu t'es arrêté ? Ah, bien sûr, à chaque je fois. Je demande si t'es tout seul. À chaque fois. Bah, c'est TV7 au départ qui m'a interrogé. L'année dernière c'était TF1 mais j'ai coupé au montage. Ah, c'est génial. Un marathon où tous les gens sont pas déguisés, de le faire déguiser, c'est le roi. Ouais, mais tout le monde est déguisé donc. Mais là Bordeaux, ça fait 2 ans que je fais comme ça, c'est génial. Ouais, la dernière, c'est génial. Il était beaucoup plus lourd l'année dernière. Mais il a plu. Et c'est ta chemise. Et où Sandra? Non mais c'est super. C'est plus agréable quand même cette année, c'est génial. L'ambiance est géniale. Pas pour moi en tout cas, l'ambiance est géniale. Elle est pas avec Seb Massico. Si, elle est avec Sébastien Massico. Oh merci. L'arrivée